Bonjour à tous et à tous, c'est Tommy Master. Aujourd'hui on se retrouve sur Halo Combat Evolved pour un nouveau let's play. Alors j'avais fait un let's play sur Amnesia que j'ai toujours pas terminé d'ailleurs au moment où je tourne. Mais bien sûr ça va continuer, hein, vous inquiétez pas. Si jusque là je commence un let's play sur Halo Combat Evolved qui est un jeu que j'adore mais juste... Il est juste énorme, il est sorti il y a longtemps, mais d'ailleurs c'est le tout premier Halo, mais franchement il est génial. Donc je ferai peut-être le 2 et le 3 en vidéo, mais pour l'instant on va se contenter du 1, qui est vraiment juste excellent. Donc bien sûr il y a le multijoueur et tout. Donc on va commencer la campagne, oui donc j'ai déjà commencé le... J'ai déjà terminé le jeu, sauf que là je viens de le réinstaller en fait, voilà. Donc alors on va commencer une nouvelle partie, en normal, voilà. Donc en normal, et c'est parti, je vous laisse écouter la cinématique. Cortana, je veux seulement savoir si on les a perdus. Je crois qu'on connaît tous deux la réponse. On ne savait pas où on allait. Comment sont-ils ? Arrivés ici avant, leurs vaisseaux ont toujours été plus rapides. Pour nous pister depuis Reach à vitesse lumière, mes options de manœuvre étaient limitées. On était dans le noir, hein ? Avant de décélérer, personne n'aurait pu manquer ce trou dans le sous-espace. Il nous attendait de l'autre côté de la planète. Alors, qu'en est-il ? Nos chasseurs éliminent en ce moment leur dernière unité de recours, rien de sérieux. Mais j'ai isolé les signatures d'approche de plusieurs groupes de combat de classe CCS. Avec 3 vaisseaux majeurs par groupe, ils seront sur nous dans environ 90 secondes. Bien, on y est. Rétablissez l'alerte Alpha sur le vaisseau. Je veux voir tout le monde à son poste. Tout le monde ? Tout le monde. Au fait, Cortana. Accueillons chaleureusement nos vieux amis. J'ai déjà commencé. Attention à tout le personnel de combat. Veuillez rejoindre vos postes. Cinquième section, fermez les sas du pont 11. Quatorzième section, retrouvez la section tactique 22 à la cloison Charlie 14. Vous avez entendu la dame ? Allez à Pointner ! Ce n'est pas un exercice. Je répète, ceci n'est pas un exercice. Encore une fois, on doit finir ce que les pilotes ont commencé. On quitte ce vaisseau, les gars ! Et on attaque les Covenants sur la terre ferme. Quand on va leur tomber dessus, on va leur faire sauter la cervelle et bien rigoler. J'ai raison, Marines ? Oui, sergent ! Ça oui, j'ai raison. Allez en route, et que ça saute ! Votre attention à tout le personnel. Nous attaquons de nouveau l'ennemi. Contact externe et interne imminent. Et vous, les Bleus qui vouliez voir des Covenants de près, vos rêves vont être exaucés. Waouh ! Monsieur ? Bien. On attend le dégel. Ok. Systèmes fondamentaux activés. Ouverture dans 30 secondes. Ça y est ! Ouverture dans 5 secondes.
Tous les systèmes sont au vert, cycle terminé. Désolé de vous bousculer, adjudant, mais les choses se précipitent. Vous reprendrez vite vos esprits. Bienvenue, chef. On va vous préparer tout de suite pour le combat. Regardez autour de vous, chef. J'ai besoin d'un relevé de calibration pour diagnostiquer votre combinaison de combat. Bien, merci, chef. J'active vos indicateurs de santé, chef. Signes vitaux normaux, aucune gelure. Ok, allez-y, vous pouvez sortir du tube cryogénique. Parti. Je vous ai donné une double dose tonique pour vous réveiller. Faites quelques pas autour de la baie cryogénique et rejoignez-moi au poste de diagnostic optique. Ok. Pareil qu'on est arrivé dans le jeu, hein. Bien sûr. Donc c'est un jeu assez futuriste, hein, pour ceux qui ont remarqué, un peu à la Star Wars. Ok, bon. Chef, regardez-moi et on pourra commencer. Mettez-vous sur le carré rouge, s'il vous plaît. D'habitude, les techniciens s'occupent de vos détecteurs de visée, mais là, le temps presse, chef. Fixez du regard chacun des panneaux clignotants pour les viser. Une fois verrouillés, ils changeront de couleur. Ok, ça a l'air bon. Chef, il y a des erreurs de calibration. Je vais inverser la séquence de vos détecteurs de visée. Vous me direz si c'est mieux. Réessayez de viser les voyants clignotants. Non, c'est pas mieux. C'est mieux ou j'annule ? Ok, regardez de nouveau en haut et en bas, s'il vous plaît. Ça vous convient comme ça ou je remodifie ? Ok, je maintiens la séquence normale. Si nécessaire, vous la changerez vous-même. Alors, vous pouvez modifier le sens de votre regard, la disposition des touches, les commandes de mouvement et autres paramètres. Pour modifier vos paramètres, appuyez sur ce choix, puis sélectionnez modifier les paramètres. Okay. Je suis prêt à tester les boucliers énergétiques. Suivez-moi, nous allons tester vos boucliers énergétiques. Vous me direz si le son du jeu est trop fort. Hein. Contactez les positions défensives Alpha à Sierra. Vaisseau d'abordage des Covenants en approche. Parez à repousser les assaillants. Mettez-vous sur le carré jaune, ça ne prendra qu'une seconde. Ok, activez ces boucliers énergétiques, s'il vous plaît. Ok, bouclier à pleine capacité. Bien, chef, baissez-les pour tester la recharge automatique. Recharge normale, tous les voyants sont verts. Passerelle à Cryo 2, ici le capitaine Keyes. Envoyez immédiatement l'adjudant sur le pont. Capitaine, nous devons diagnostiquer les armes et je... C'est un ordre. Très bien. Le capitaine a l'air nerveux, il vaut mieux y aller. On vous trouvera des armes plus tard. Ok, mais je lance le diagnostic automatique. Oh mon Dieu, ils essaient d'ouvrir la porte. Sécurité, intrus dans la cryo 2. Non. Sam, venez, fichons le camp d'ici. Alerte à tout l'équipage. Tous sur les ponts bâbord 4, 7 et 12. Équipe Baker, préparez-vous à attaquer. Ok. What? T'es mort? Demande pas que t'es mort, hein, quand même. Tu peux résister, c'était juste une égratignure, quoi. Oh là 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 là. La base c'est rouge, c'est fermé. Ok. Ok. What? Toi, t'es mort là? Ouais, il est mort. Qui là, y'a rien. What? Qu'est-ce qu'il y a? Puis appuyer sur A pour la lampe torche. Je peux venir? What? What? Ouais, ben. Partez! What? Non! Oh! Chef,
Le capitaine vous réclame sur la passade tout de suite. Suivez-moi. Pas d'armes. Qu'est-ce que ? Je sais pas. Pas de grenade, ok. Je les ai trouvés. Allez-y, chef. Bah, c'est cool. Normalement celui-là. Ouais, c'est bien. Classe. Ravi de vous voir, adjudant. Les choses tournent mal. Cortana a fait de son mieux, mais c'était perdu d'avance. Une douzaine de cuirassés des Covenants contre un seul croiseur de classe Alcyon. Vu la situation, je suis contente avec trois. En fait, quatre cibles abattues. Bien dormi ? Oui, mais pas grâce à votre pilotage. Je ne faisais que vous bercer. Ça tremble. Ça doit être un de leurs groupes d'abordage. Une charge antimatière, j'imagine. Madame, la conduite de tir du canon principal est désactivée. Capitaine, le canon était ma dernière option offensive. Très bien. J'applique le protocole Cole, article 2. On abandonne l'automne. Et vous aussi, Cortana. Et pendant ce temps, vous coulez avec le navire? C'est à peu près ça. L'objet qu'on a trouvé, je vais essayer d'y poser l'automne. Sauf votre respect, chef. Cette guerre a déjà tué trop de héros. J'apprécie votre intérêt, Cortana. Mais le protocole est clair. La destruction ou la capture d'une intelligence embarquée est hors de question. Ce qui veut dire que vous devez quitter le vaisseau. Désignez plusieurs zones d'atterrissage. Téléchargez-les dans mon réseau neural et préparez-vous à un dur transfert. Aïe aïe, chef. C'est là que vous intervenez, adjudant. Débarquez Cortana du vaisseau. Mettez-la à l'abri de l'ennemi. S'ils la capturent, ils sauront tout sur nous. Dispositif, recherche en armement. La Terre. Je comprends. L'automne va continuer ses manœuvres jusqu'à ce que vous lanciez la séquence d'atterrissage. Un conseil. Laissez mes sous-programmes superviser l'approche finale. Excellent travail, Cortana. Merci. Vous êtes prête ? Non ! Transférez-moi. Bonne chance, adjudant. De rien. Votre architecture n'est pas si différente de celle de l'automne. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Il n'est pas chargé. À vous de trouver des munitions en chemin. Bah, c'est gentil, hein. Par contre, il parle trop vite dans ce jeu, donc c'est un peu normal que ça tremble, hein, je veux dire. Ouais, tiens, toi, dégage. Viens là, viens là. Voilà. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Là, on peut pas ouvrir. Ah, ils sont là. Ces marines ont besoin d'aide, chef. Faites au mieux. Bah écoute, faut pas rager, hein. C'est un peu normal. Décrocher en position défensive secondaire. Regarde où tu tires. Bah oui, je regarde où je tire. Alors attendez, je fais une coupure parce que là je viens de me rendre compte que j'enregistre sur un autre disque. Allez, à tout de suite. Voilà, donc je veux pas arrêter de tirer, j'ai beaucoup de balles. Ils sont là. Il y a pas des munitions là? Non mais arrêtez de parler, c'est pas possible. Il faut parler moi. Il y a des balles, je crois. Ouais, il y avait des balles. Je les ai eues. Super. S'il n'y a pas de balles. Sauf là-bas. Non, t'as pas trouvé. T'as perdu.
appuyer sur E pour recharger, putain. Ouais, ça je le savais. Puisque je joue beaucoup à Halo. Réserve des ponts 5 à 9. Décroché en position défensive secondaire. Non! Ça fait quoi d'être mort? Tu te calmes? Le mec, il était en train de tirer sur le cadavre. Qu'est-ce que c'était? On a été touchés. Allez, retournez au sas. Oh, mais calme! C'est ma faute. C'est moi. M'en fiche, je suis invincible. Ouais, t'as vu? Ils utilisent les sas de nos nacelles de survie pour aborder. L'équipage et personnel opérationnel. On sort et ils entrent. Ils sont malins. Joignez immédiatement les postes d'évacuation. Arrêtez de parler en même temps. C'est ça, c'est. Couvrez-moi. Non, je te couvre pas. Je les ai trouvés. Et moi, je les ai perdus. Dégage! What? Arrête ça! Dégage! Voilà, arrête de rigoler et dégage. Oh, mais il y a du monde ici! C'est qu'il y a du monde ici! Oh, attendez. J'en vois là-bas. Je vais là-bas. Équipage et personnel opérationnel des ponts 9 à 12, joignez les postes d'évacuation immédiatement. Non, pas par ici, tu t'es trompé. Dégage! Baissez la tête. N'oubliez pas qu'on est deux là-dedans. Oui, je sais. Et je veux dire, ils parlent quand même notre langue, hein. Donc, c'est pourtant c'est des aliens. Hein, donc, voilà. À tout l'équipage et au personnel opérationnel, rejoignez les nacelles de survie. Rejoignez les postes d'évacuation. C'est bon, j'ai compris. Ouais, rien par ici. Sauf là. Tu es moi aussi. Non mais on se calme. Des Covenants, ils se posent au-dessus de nous. Ouais, mais comment ils font? Y'a là. Oh. Au revoir. Oh, mais qu'est-ce que vous faites vous? Je vous rassure, hein, j'ai pas de cheat, hein, je suis pas invincible.
Sinon, je vais mourir. Bah, c'est pas ma faute, hein. C'est la tienne. Hein. T'aurais jamais dû être là. Hein. Où est-ce qu'ils sont les autres? Combattant Alpha November, rejoignez les postes d'évacuation les plus proches. Oh, je vais mourir. Non! Ça brûle! Théo! Il est mort? Non, il est pas mort. Yala, je vais venger mon ami. Non, ne courez pas. Je vais vous rattraper. Quelqu'un le voit ? Ouais, moi. Où sont-ils passés ? Là. À tout l'équipage, ici le capitaine. Abandonnez le vaisseau. Combattants, repoussez-les jusqu'au départ du personnel opérationnel. Bonne chance. Keys, terminé. Oh mon dieu! Les nacelles de survie ont été lancées. Dépêchons-nous. Ok. Les Covenants détruisent les nacelles de survie. Ils ne veulent pas de nous sur cet anneau. Bah si, je me suis gardé tout pour moi. Attention, fermeture des portes. Il faut emprunter les issues de maintenance du vaisseau. Suivez le point de navigation, il vous guidera vers une sortie. Les points de navigation sont des indicateurs temporaires apparaissant sur notre viseur tête haute. Les points de navigation indiquent la direction et la distance des cibles d'événements importants. Allez. Attends, Sierra, à Victor, préparez-vous à évacuer. Allumez votre lampe, votre torche. Oula, il y a des bruits. Et ça tremble. La présence de Covenants derrière les issues. Détecteur de mouvement activé. Trouvons un chemin sûr. Ils sont juste au-dessus de nous. Trouvons un autre chemin. On voit rien. Oh, attendez. On est trop près. Il faut trouver un autre chemin. Je vois rien. Ah, c'est bon. Le détecteur indique que la voie est libre. Attendez, il faut qu'on passe par cette porte. Mais elle a été endommagée par une explosion. Analyse. La porte du mécanisme de contrôle est désactivée. Mais elle a subi pas mal de dégâts. On devrait pouvoir l'enfoncer avec la crosse de votre arme. Ah, c'est bon. Ouais. Genre, pour lui, là, voilà. L'élite quoi? Courir? J'ai rien entendu. Non, il y a un autre élite. Oh oh. Oh oh. Il fait quoi là? Décrocher sur les positions défensives tertiaires. Écoute, tu m'as attaqué, donc je me défends, hein, faut dire. Ah, mais c'est l'endroit d'être tout à l'heure. Haha, alors on fait quoi, hein? Moi, je suis invincible, hein. Les Covenants voulaient vous prendre par surprise, on dirait. Ouais. What?
a explosé. Oh, dégâts. Genre, il m'a vu, quoi. J'étais dans le noir. Où ça? J'ignore combien de temps encore le Pillar of Autumn tiendra. Non ! C'est un bouclier. On fait quoi maintenant, hein? Oh, wow, 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 wow. Oh là là là. Oh, c'est l'invasion. Il reste une nacelle de survie. Vite, montez à bord avant son départ. Et où est-ce qu'elle est, ta nacelle de machin, là? Ah, elle est là. Réserve des ponts 5 à 9. Décrochez en position défensive secondaire. Oh non, oh non. Ah, ce serait vraiment une bonne idée de filer. Allez-y. On va réussir, pas vrai, chef? Je veux pas mourir ici. Regardez! Qu'est-ce que c'est que ce truc, lieutenant? Aucune idée, mais on y atterrit! L'automne, il a été touché! J'en étais sûr. L'automne accélère. Qui se passe en manuel? Attention, on y est. Entrez dans l'atmosphère de l'anneau dans 5 secondes. Vous êtes sûr de ne pas vouloir vous asseoir? Ça va aller. S'il me restait des doigts, je les croiserais.